soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Bonjour ensemble les amis. Excellent. Alors ça, je pense que ça va moins vous plaire, hein, je vous dis. Voilà, moins excellent. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué, ça s'appelle Gage ou Dos. C'est un jeu du Night Show, en fait, à chaque fois je vais vous poser une question. Vous avez le choix, soit vous y répondez, tout va bien. Soit vous y répondez pas et dans ces cas-là vous aurez un gage, mais vous ne connaissez pas le gage évidemment. Oui. Je peux faire le jingle du jeu? Tu vas le faire. Alors vas-y, il veut faire un jingle, donc on y va, on le laisse, c'est Monsieur Poulpe, il va être tout seul. Allez-y. Gage ou dos avec Marion et Anne-Laure, qui n'est pas là, c'est ce soir dans le Night Show. C'est Anso. Voilà, elle s'appelle Anso. Mais... Pardon, ouais, Écoute, elle sera contente parce qu'elle écoute en plus, mais y a pas de soucis. Non, mais sinon, c'était pas mal. Merci. Il y avait un truc. Allez, on y va, première question. Bah, justement pour toi, Monsieur Poulpe. Allez. Ouais. Vas-y, maintenant. Quels sont tes identifiants et mots de passe Twitter, s'il te plaît? Alors, mon identifiant, c'est... Non, attends. Soit tu donnes la vérité. Ah, bah, sûrement, fume pas. Soit tu prends le gage, hein, mais il n'y a pas de... Et le gage, il est... Ah bah, on sait pas. Bah, je vais prendre... Non, je vais donner mes identifiants. Vas-y. Non, je vais prendre le dos. C'est ça? Non, je dois le dire gage. Gage. Non, je dois dos. Prendre le gage. Soit le dos. Tu me donnes la vérité. Ah bah je peux pas. Ok, alors tu me passes ton Twitter et j'en prends possession pendant 5 minutes, je fais ce que je veux dessus. Allez, donne. C'est vraiment un jeu de merde. Ça va être génial. Amir, viens, tu vas m'aider. Tu as posté 2-3 trucs sympathiques. Hein. Attends, je vais récupérer son téléphone. Messages voilà. Privés. Non, laisse tomber. Et on n'oublie pas Bengui et Raciste. Il est pas vraiment. Bengui et Raciste. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il y a dans le téléphone de Monsieur Poulpe, mais il est en train de tout effacer. Viens, Amir. J'ai effacé un petit truc. Tu postes ce que tu veux là pendant 5 minutes, okay. Le téléphone est à toi. Mais on enchaîne. Ouais, on enchaîne avec. Non, c'est enregistré. Tout va bien. Avec Kevin. Kevin, oui. Quel est le dernier SMS que tu as reçu? Je veux le vrai si c'est. Oui, bien sûr. Vérifie, pas... monsieur Poulpin, qui m'en fume pas. Bien sûr, j'en fume pas. Dernier SMS que. Oulala. Next week only, sorry. Ah non, que j'ai reçu. Ouais. Hello, free this week. Oh putain, mais t'as une vie de merde. Ouais. Je m'attendais à un truc, compliqué. Un plan cul, un truc anglais, quoi. Mais moi, je suis tellement sûr de mon coup que tu peux y aller. Hein. Je peux okay. M'aller aux autres. Ok, t'as répondu, y a pas de souci. Yes. Bat, on oui. Enchaîne avec toi. Comment s'appelait la meuf avec qui tu es sortie et qui était le pire coup? Me donne pas un nom au hasard. Oh. Moi je connais. Voilà. Attends, tu peux choisir le gage. Je sais ce qu'il va te dire. Tu peux choisir le gage, y a pas de souci. Prends le gage, Baptiste, prends le gage. Ne le dis pas. Et réfléchis, Baptiste. Allez, vas-y. Non. Ça se fait... ouais, bon, c'est... Prends le gage. J'ai pas envie de prendre le gage, donc je vais dire. Mais j'ai pour pas salir la personne, je vais pas dire son prénom. Bah si. Mais c'est la mère de Jérôme Niel. Mytho, tu fais le gage. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Baisé ici. Et non, moi, c'était vraiment le gars. Qui n'a pas baisé ici? Ah, personne lève la main. Voilà. Allez, tu viens faire le gage. Tout le monde a baisé. Non, c'est vrai. Non, le gage, le gage. Hein, c'est vrai, Gaël. Non, le gage. C'était moi. Elle était, il m'attait. Alors attends, j'étais dans la pièce. Je vais demander à Marion, qui est une personne de confiance, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Alors le gage, Bat, c'est lécher goulûment avec amour la poignée du studio que tout le monde a touché. Allez. C'est ça un vrai mec, il va le faire. Allez, vous retrouverez la vidéo évidemment sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Vas-y mon pote, tu me lèches ça. Tu me mets bien la bouche hein. Je veux voir ça quoi. Il préfère aller de l'autre côté. Alors il y va, attention. Il le fait pas. C'est un mytho. Tu le fais vraiment. Il adore ça, c'est ça. Il l'a fait, Amir. Il l'a fait. C'est dégueulasse. Ça y est, Jessina là. On enchaîne. C'est pas sympa parce qu'il a vraiment niqué la mère Jérôme Niel. On enchaîne avec toi. C'est pas cool de faire des gages alors qu'on dit la vérité et pour une fois que je disais la vérité. Mytho que tu es. Gaël, à toi. Bonsoir. Si tu devais éliminer une seule personne du studio Bagel, ce serait qui? Bengui, parce qu'il est raciste. Je suis obligée de lui accorder, même si c'est pas forcément vrai. Bengui est raciste en TT, hashtag Bengui est raciste en TT, les gars. Twitter, Bengui est raciste. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Marion. Ah. Alors, est-ce que tu l'as déjà... As-tu déjà couché avec quelqu'un du studio Bagel? De combien ont été tes revenus grâce à YouTube en 2015? Grâce à YouTube, ça va être extrêmement rapide, ça va être un bon gros zéro. Ah ouais, j'ai une chaîne, il y a zéro vidéo, mais j'ai 63 000 abonnés.
Mais non, mais avec le bagel. Ah, avec le bagel. Bah oui, c'est YouTube aussi. Combien tu déclares QG's, combien t'as fait QG's? Aisé. Un petit SMIC, vraiment? Mais ouais, non, mais en fait, t'as choisi la pire personne parce que moi, j'ai pas de communauté. Mais t'as eu plus, payé en Marion. Cachet. Attends. Ah, elle a menti. Avec la pub que t'as fait pour les hémorroïdes, là. Ouais, avec bagel ouais. Et les cups, la coupe. Si, et toi, Marion, t'as gagné combien avec Fun Radio l'année dernière? Oh là là. On est sur pas grand chose. C'est-à-dire, tu divises par deux le salaire de tout le monde, là, et tu dois y être. T'as 10 000 euros. Du dimanche au jeudi, 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio.